Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On se retrouve donc aujourd'hui, il fallait attaquer avec 15 créatures, donc j'ai joué en mono blanc et j'ai eu mes 15 victoires assez facilement. J'ai dû perdre 3 fois, à tout casser. Ouais non, je mens, 5 fois facile, ouais, non, 5 fois quand même. Mais bon, sur 15, 20 matchs, 20 matchs, 15 victoires quand même, donc ça va. Sinon, il y a des nouvelles. On va aller voir ça ensemble. 10% off. Secret Versary. Ouais, ok. Bon, c'est tout. C'est du commercial. Annonce hebdomadaire, ok. Ok, bon. Sans intérêt. On a 840 en gemmes, on a 3100 en couronne, on a 4 courants, 5 inhabituels, 1 rare et 1 mythique. Et le coffre est ouvert à 36,5%. On a toujours nos 4 jetons de draft et on a toujours nos 3 jetons. Lancez-vous. Ok, on continue. Au niveau de la maîtrise, on est au 13e niveau. Donc voilà. On devrait récupérer un booster au prochain niveau. Ensuite, on va aller ici. Et on va récupérer nos 3 boosters. Alors, ils sont où? Ils sont là. Hop, on récupère. Hop. Dans 2 boosters, on aura un golden. Ok. On est parti pour le premier booster. Et hop, prochain booster, on devrait récupérer un joker inhabituel. Alors, garde sapiens d'Ixali, carte verte qu'on connaît qui arrive au premier round. Elle est suivie de Aile des Sables en vol, carte blanche qui arrive au sixième round et qu'on connaît aussi. Porte énigme, Doraska, artefact. Donc carte bleue qui arrive au premier round, c'est un artefact pour un mana et son engagement. Sacrifiez la porte énigme d'Oraska. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une de ces cartes dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Petite phrase. Entre l'expertise archéologique de Quinturus et la connaissance des anciens glyphes du Waltli, la serrure impossible livra enfin ses secrets. Et la porte vers un monde, le monde souterrain s'ouvrit avec un grondement. Ok. On récupère un joker inhabituel déjà avant l'autre, ce qui nous fait maintenant 4 courants, 7 inhabituels, un rare et une mythique. On continue avec au fond du gouffre, carte verte qui arrive au deuxième round, c'est un sort de rituel, choisissez l'un, soit détruisez une cible, artefact ou enchantement, soit une créature ciblée que vous contrôlez, explore, puis elle explore à nouveau. On continue avec Sirène de chêne, carte bleue qu'on connaît, qui arrive au deuxième round, on doit être à notre troisième exemplaire assez facilement là. Dracodar déchaîné. Le Dracodar déchaîné est une carte noire qui arrive au 6e round. C'est une créature dinosaure. Quand le Dracodar déchaîné arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, plus 0. Et acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Recyclage de marée 2. 5 en force et 6 en défense. Ok. Pas de petite phrase. Allez, première grosse carte de la session. Pont de glyphe instable, carte blanche qu'on connaît et qui arrive au 5e round. Ok, bon écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Si on connaît, on connaît. On continue avec le deuxième.
Booster et hop, ça nous fait donc on est à 4 courants, c'est inhabituel, un rare, un mythique, et le coffre est ouvert à 36,6%. Alors on commence avec Démanteleur Intrépide, carte blanche qui arrive au deuxième round, créature humain artificier, les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Et pour... Ah bah ça on l'avait déjà vu, on l'a déjà eu cette carte là. Donc voilà, je m'arrête là. Glissement de roche grondant, ça il n'y a pas d'ambiguïté, on en a déjà eu deux. C'est une carte rouge qui arrive au quatrième round et qu'on connaît. On continue avec Salve de Cosmium, carte blanche qui arrive au deuxième round, c'est un sort d'éphémère. La Salve de Cosmium inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Petite phrase. Le Cosmium est l'essence tangible de la puissance de Chimil. Les tatouages chargés de Cosmium des Holtecs leur assurent de pouvoir faire appel à cette puissance quand cela est nécessaire. On enchaîne avec Zoyowa, langue de lave, carte Rakdos, donc magie noire et rouge, qui arrive au deuxième round, créature légendaire, gobelin et psychagogue. Elle est équipée du contact mortel au début de votre étape de fin. Si vous êtes descendu ce tour-ci, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier un permanent. Zoyowa, langue de lave, inflige 3 blessures à chaque adversaire qui n'a pas fait ainsi. 2 en force, 2 en défense. Elle est méchante cette carte. Elle est plus qu'équilibrée en plus. Marionnette d'orange brune. Donc marionnette d'orange brune, carte noire qui arrive au deuxième round. C'est une créature fungus. Elle a le contact mortel. Quand la marionnette d'orange brune... Ah ben ça on connaît en plus. Excusez-moi. Donc on connaît déjà. Porte d'énigmes d'Oraska. Ça nous fait notre deuxième exemplaire rien que sur une session. On continue avec Aide des Ancêtres, là on est au moins troisième session de cette carte, carte rouge qui arrive au deuxième round, et on continue avec la deuxième grosse carte de la session. Cette fois-ci c'est Akalpakal, premier parmi les égaux. Carte bleue qui arrive au troisième round, créature légendaire, humain et conseiller, au début de l'étape de fin de chaque joueur. Si un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. 1 en force, 5 en défense. Donc c'est un bloc, c'est un mur. Petite phrase. Ces enfants perdus d'Aklatzot sont certes mal avisés, mais peut-être une réconciliation de nos idéaux sans guerre reste possible. Ok. Ok, ok. On continue. Dernier booster. Alors, dernier booster, on commence avec Chauve-souris des profondeurs, carte noire, qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. On enchaîne avec Glorificateur de la Souffrance, carte blanche qui arrive au troisième tour, c'est une créature vampire et soldat. Quand le Glorificateur de la Souffrance arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Quand vous faites ainsi, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. 3 en force et 2 en défense. Petite phrase, tout le monde veut rester dans les mémoires. Rares sont ceux qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour cela. On continue avec Portée Enigmatique d'Oraska, rien que 3 exemplaires sur une seule session. C'est une carte bleue qui arrive au premier round. On continue avec Peinture Murale du Maître, carte Azorius, donc magie blanche et bleue, qui arrive au cinquième round, c'est un artefact. Quand la peinture murale du Maître arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature artefact 4
4, blanche et bleu golem, façonné avec un artefact pour 7 mana, dont 2 blancs et 1 bleu. Et il donne manufacture du maître, donc artefact. Si on l'engage, créer un jeton de créature artefact 4-4 blanche bleu golem, n'activez que si la manufacture de maître ou un autre artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Ok. On continue avec Réunion de famille, carte blanche qu'on connaît, qui arrive au deuxième round. En parlant de carte qu'on connaît, courage fongique. Carte noire qu'on connaît donc et qui arrive au deuxième round. Repère d'Oteclan, donc repère d'Oteclan, carte blanche qui arrive au premier round, c'est un artefact. Quand le repère d'Oteclan arrive sur le champ de bataille, regarde façonné avec un artefact pour 3 mana, dont un blanc. Il se transforme en léviteur d'Oteclan, créateur d'artefacts golem, équipé du vol à chaque fois que le léviteur d'Oteclan attaque. Une créature attaquante sans le vol ciblé acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. 1 en force et 4 en défense. Ok, et bah c'est cool. On termine avec le belligérant. Carte Izette, donc magie bleue et rouge. Carte Izette, donc qui arrive au quatrième round, c'est un artefact légendaire véhicule. À chaque fois que le belligérant attaque, crée le jeton de trésor jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessous de votre bibliothèque. Il est équipé de pilotage niveau 3. Il a 5 en force et 5 en défense. Bah écoutez, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire. Très bien, très bien. On va aller voir au niveau du profil. Alors, on en est où? Ici, il nous reste 9 jours, donc ça va encore une semaine. Et ici, on est à 53%. Ça y est, on a passé la barre des 50%. Demain, ce sera la première semaine. Donc pour en 6 jours, ce qui est plutôt bien. 6 sur 22, autant dire qu'on est au quart. 20 sur 64, donc on est au tiers. 48 sur 92, on a la moitié passée. Et 73 sur 101, donc on est aux 2 tiers facile. Ok, bah écoutez, rien à dire. Ça suit en plus la logique de la courbe qu'on a l'habitude de connaître. Donc voilà, bah écoutez, il est temps de se laisser, je pense. J'espère que mon contenu vous plaît. Je tiens à vous remercier pour les vues que vous m'accordez. Évidemment, partagez, faites connaître cette chaîne. Likez, commentez si vous avez des choses à dire. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre aide. Et n'oubliez pas que si cette chaîne fonctionne, c'est grâce à vous. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, veillez sur eux. Profitez bien de cette vie. Bye bye tout le monde. Salut. Thank you.